lieutenant Richard Tuft, de la flotte des États-Unis, rend compte ici du périlleux voyage que j'ai accompli sur le territoire de la Floride en 1840. J'ignorais tout de la Floride en dehors de ce que m'avait appris cette carte rudimentaire. Elle ne m'enseignait en réalité que peu de choses sur la mission pour laquelle je m'embarquais. Je savais que là-bas se déroulaient les scènes de guerre les plus atroces de notre histoire. Nous luttions contre un ennemi cruel et sanguinaire, les Séminoles. 7 ans auparavant, ces Peaux-Rouges avaient défait la totalité de nos forces et avaient déjoué la stratégie du plus grand de nos généraux, Zachary Taylor. En m'embarquant, j'avais reçu l'ordre de servir sous son commandement. Mon navire louvoya le long de la côte atlantique de la péninsule jusqu'à une petite baie ignorée. De là, je montai à bord d'une embarcation qui était appelée à jouer un rôle capital dans cette expédition. Lieutenant Tuft, de la frégate Norfolk. Le capitaine Quincy White vous attend. Son éclaireur vous conduira à son check-in. Ce fut le début de ma mission. Comme prévu, mon embarcation avait été hissée sur le rivage pour son voyage à travers les terres jusqu'au grand lac indien Okeechobee, où j'espérais, sans trop y croire, la retrouver. Accompagné de mon guide, je pénétrai à l'intérieur du pays pour ma première entrevue avec l'homme que je ne connaissais que de nom, le capitaine Quincy White. Nous fîmes route vers l'ouest à travers une contrée impénétrable à première vue. Mais aucun obstacle n'arrêtait mon compagnon silencieux. Attachez-les bien. C'est la résidence du capitaine? Son check-in n'est pas loin. Qu'est-ce qu'un check-in? Vous n'êtes jamais venu en Floride, lieutenant? Non. Je l'aurais deviné rien qu'à voir votre sabre. Le chiki est une sorte de hutte bâtie sur une langue de terre sèche. C'est une maison. Le capitaine vit dans les bois? Pourquoi n'est-il pas en garnison? Ici, nous sommes en Floride. Arrêtez, lieutenant. C'est un jeune Indien gris qui vient de Georgie. C'est un des hommes de White. Salut, Charlie. Est-ce que c'est fatigant de leur donner une poignée de main? Avance. Montez là-dedans, lieutenant. Ces Indiens sentent un peu le renfermé. Ils se parfument à l'huile de putois, ça les préserve des mouches et des punaises. Nous avancions lentement sur un cours d'eau étrange et prodigieux qui traversait une région luxuriante. C'était pour cette terre que nous luttions si férocement. Une jungle magnifique. Inquiétante. Vous ne voulez pas manger un peu, lieutenant? On a un bout de chemin devant nous. Non, merci. À propos des Indiens, il faut surtout pas qu'on vous raconte que les Séminoles tirent mal. Dame, depuis qu'ils ont trouvé des fusils, ils savent s'en servir, les bougres. Pourquoi le capitaine s'est-il installé ici?
Après ce qui s'est passé, Quincy ne voulait plus rencontrer de soldats. Il ne tenait à avoir de contact qu'avec ses hommes. Je sais que vous voudriez me faire dire ce qui s'est passé, mais c'est pas moi qui vous le dirai. À votre place, je ne poserai pas de questions. Malgré moi, ma curiosité était en éveil. Quelle sorte d'officier était-il donc, cet homme qui fuyait l'armée dans laquelle il servait? Mais le soleil brûlant finit par avoir raison de ma curiosité. Là, le cours d'eau mourait sur une lagune. Nichée entre le ciel et l'eau, une petite île chatoyante faisait face à la jungle. Et sur cette île se trouvait le tchiki du capitaine Wright. Regarde, regarde! Voilà une pirogue! Salut, Hank. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, bonhomme. Salut, tu as fait bon voyage? Oui, Quincy. Ça va le faire venir. Un beau lieutenant, hein? C'est joli, hein? Dis, qu'est-ce que c'est? Il veut savoir à quoi ça sert. C'est la première fois de sa vie qu'il voit un sabre et un vrai marin. Il est très joli, cet enfant. Appartient-il à une tribu d'Indiens Creek? Non, il est le fils du capitaine. Navré. Il n'y a pas de quoi être navré. En effet, je... Où est sa squaw? Je serais heureux de la connaître. La femme du capitaine n'était pas une squaw, lieutenant. C'était une princesse Creek. Fille d'un grand chef, belle comme une image, et vous ne la verrez pas ici. Elle est morte. Et j'aperçus pour la première fois l'homme avec lequel je devais vivre l'aventure la plus extraordinaire. Quincy Wright. Soldat. Homme des marécages. Grand seigneur. Infatigable. Regardez là, vous voyez ces deux aigles? Vous les voyez? Quincy ne revient jamais de la chasse ou de la pêche sans leur apporter quelque chose. Tu deviendras un grand chasseur. Salut, Quincy. Il y a là un marin qui t'attend. Lieutenant Richard Tuff, à vos ordres, mon capitaine. Salut, lieutenant. Vous n'avez pas eu d'ennui? Non, tant que je sache, personne ne nous a observé. Combien de temps vous a-t-il fallu pour amener votre bateau jusqu'au lac? Avant de vous répondre, permettez-moi de vous dire que vous avez toute ma sympathie. Comment ça? Mon embarcation ne peut pas emmener plus de 40 hommes. Eh bien, c'est parfait, puisque je ne garde que 40 hommes dans ma compagnie. 40 hommes pour nettoyer toute la Floride et reprendre une forteresse? Mais c'est un suicide! Vous avez peut-être raison, mais ne faut-il pas mettre fin au ravitaillement en armes des Séminoles? Et tant qu'ils tiendront ce fort, les Indiens auront tous les fusils qu'ils voudront. Mais cette attaque est vouée d'avance à l'échec. Le fort Infanta a été bâti par le général Enrico Garcia, l'un des plus grands architectes militaires. Pour le prendre d'assaut, il faudra au moins une brigade. Certes, c'est bien raisonné, ce que vous dites là. En avez-vous fait part au général? Non. L'amiral l'a fait, mais le général l'a envoyé promener. On pense chez nous que le général aime assez la bouteille. Et ma foi, il ne devait pas y voir très clair quand il est allé imaginer une pareille sottise. Je regrette que vous trouviez que c'est une sottise, lieutenant, parce que c'est moi qui suis responsable de ce projet. Et à propos, mes 40 bons hommes, dans les marais, ils valent à eux seuls toute une brigade. Si vous voulez m'excuser, je vais me changer et nous irons au quartier général. Je me suis mis dans de jolis draps. Vous en faites pas, lieutenant. Ce n'est que le premier de vos embêtements. Regardez là-bas, sur l'autre rive de la lagune.
C'est le commencement des Everglades. Ou la fin, ça dépend de quel côté on se place. Vous savez ce que ça représente? Des marais si profonds qu'ils peuvent engloutir toute une armée sans qu'on la revoie jamais. Et il y a pire, en fait, beau drap, vous serez servi ici. Votre sabre fait grande impression sur mon petit bonhomme, il en a envie. Je comprends ça. Moi aussi, j'ai un petit bonhomme qui est à peu près de cet âge. Savez-vous ce qui lui ferait envie? Ce tomahawk que vous aviez dans votre ceinture. Cet enfant-là, il a encore sa mère? Mais oui. Il a de la chance. Beaucoup de chance. Allez. Pourquoi tu m'emmènes jamais avec toi quand tu pars? Je m'ennuie quand tu es pas là. Plus tard, quand tu seras grand. Il l'adore, ce petit coquin. S'il lui arrivait un malheur, je parie que Quincy irait se jeter dans un marais et on ne le reverrait plus. Garde bien le campement. Oui, grand chef. Nous nous dirigeâmes vers le quartier général. J'avais attendu impatiemment cette première rencontre avec l'officier qui cherchait une fois pour toutes à mettre un terme à cette guerre, le général Zachary Taylor. Rien ne vous empêche encore d'abandonner. Rien ne peut plus m'arrêter que les Séminoles. Si vous arrivez à les battre, vous ferez de moi un illustre général. Je vous avoue, mon général, que c'est là mon intention. Détruisez ce fort, Quincy, et l'armée se mettra en marche. On vivra enfin en paix sur tout le territoire. Pour tout le monde, rassemblement! À gauche, alignement! Prêt pour l'inspection, mon capitaine. Comment sont vos hommes? On ne fait pas mieux. À la bonne heure, c'est ce qu'il faut. Alors, Pitchtree, il vous plaît, ces galons? J'espère, mon capitaine, que je m'en montrerai digne. Vous ne vous les aurez pas donnés, sinon. Merci, mon capitaine. Heureux de vous voir en ligne, Tibet. J'ai failli ne pas être là, mon capitaine. Ils avaient bien envie de me priver de mon scalp. Vous vous appelez? James Tasher, mon capitaine. Vous avez déjà combattu les Indiens? Oui, mon capitaine, à Black Hawk. Pas besoin de vous en demander davantage puisque vous êtes là. Et vous, comment vous appelez-vous? Pierre Jessop, mon capitaine. Depuis quand êtes-vous dans l'armée? J'ai fait partie des fusillés du 7e corps pendant 3 ans, 8 mois et 21 jours. J'espère que vous pourrez aller jusqu'au bout de votre engagement. Alors, lieutenant, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont peut-être de bons soldats, mais on ne dirait pas des soldats. Oui, peut-être bien, mais le grand chef Ocala donnera une rangée de perles pour la tête de chacun de ses hommes. Il en donnera une pleine corbeille pour celle de Quincy. Dites, du fait que vous venez avec nous, ça donne de la valeur à votre crâne aussi. Salut, Moer, tu as de plein? Oui, justement, mon capitaine. Ouais, de la boustifaille, la paillasse fait des bosses, les moustiques deviennent enragés et le sergent s'acharne contre toi. Comment que vous le savez, mon capitaine? Enfin, je suis content d'entendre que tout va bien, Moer. Tout ça est parfait, sergent? Bien, mon capitaine. Ils peuvent se mettre en route. Bien, mon capitaine. À mon commandement. À mon hôtel. À la droite. Hop. À l'avant. Et maintenant, que pensez-vous de cette expédition? Eh bien, je réserve mon opinion jusqu'à notre retour, si on revient. Mais nous comptons sur votre bateau pour ça. S'il flotte. Éclaireur, à vos postes. En compagnie de cette étrange troupe, nous allâmes jusqu'au lac. Nous attendait mon embarcation. Le voici, le lac Okeechobee. C'est le nom que lui donnent les Indiens. Les grandes eaux. Il y a 80 km jusqu'à l'autre rive où se trouvent les Séminoles.
Mais on dirait qu'il flotte. On peut appareiller. Bien, lieutenant. Larguez la voile. Une voile noire. Les Indiens la verront difficilement sous le clair de lune. Lieutenant, plus nous avançons, et moins notre plan me semble insensé. Nous donnons dans un piège et qu'on se disperse, essayez de revenir par là. Le bateau nous reprendra demain soir. En avant! Allez, en avant!
santé? L'air de la mer. La baie est de ce côté, le fort doit être quelque part par là. J'ai déjà fait des calculs. Je crois que nous sommes à 12 km trop au nord. Je t'aurai un coup d'œil. Je crois qu'il faudra que je reconsidère mes calculs. À voir ces murs, je me dis qu'il faut que je reconsidère les miens. Quand il fera nuit, avec quelques hommes, j'essaierai d'atteindre les portes. Le reste de la troupe attendra qu'elles soient ouvertes. De la contrebande. Avec un peu de chance, on pourra s'en débarrasser dès ce soir. Parece que apenas empieza uno a dormir cuando lo despiertan otra vez. Hay otra cosa más que renegar, hombre. Lo has dicho otra vez. Esto sigue más grave que estamos otra mano. Si no fuera por el dinero, no tendríamos que comprar el vino. Thank you.
Sortir les chevaux et les mules. Chaîne. Tâchez de découvrir où se trouve l'arsenal. Entendu. Allez, venez. Vous prenez des hommes et enclouez les canons. Bien. Pitchtree. Avec l'équipe des poudres, allez disposer les charges. Il ne faudra pas s'attarder. Bien, mon capitaine. C'est pépère, cette expédition. On n'est pas dérangé. Nous ne sommes pas encore sortis. Sullivan. Allez fouiller toutes les salles. Moer. Mon capitaine. Combien vaut notre perte? On est en train de les compter. Va les aider. Mon capitaine, j'ai trouvé l'arsenal. Il y a de quoi faire la guerre pendant 100 ans. Ça vient d'Europe. Ces trafiquants ont fait de la contrebande dans tous les coins du monde. Faites flamber le tout. Mon capitaine, on a trouvé des gens dans la prison. Ces deux femmes? Elles ne sont pas seules, il y en a d'autres. Qu'elles aillent rejoindre les autres, je n'ai pas de temps à perdre. Bien, mon capitaine. Qui est ce monsieur que notre présence semble gêner? Le capitaine White, mademoiselle. Oh. Amelia, va chercher ma cape. Il faut obéir aux ordres du capitaine White. Merci, merci. Que le bon Dieu vous bénisse. Voilà 2 mois que l'on nous retient captifs, ma femme et tous ces pauvres gens. Oui, oui, vous voilà sauvés. Les canons sont encloués. Mon capitaine, la poudre est en place. Il n'y a plus qu'à allumer. Attendez mon signal. Chaîne, faites-les sortir d'ici rapidement. Bien, mon capitaine. On sautera, tous les séminoles à 10 lieues à la ronde seront où nous sommes. Avancez. Vous reposerez sur le bateau. Mon capitaine, on va trop vite. Ma femme est malade, elle est à bout de force. Elle n'est pas en état de continuer. On ne peut pas s'arrêter. Et portez-la.
encore loin. Postez deux sentinelles sur les flancs et quatre autres sur nos arrières. Vous pouvez manger si vous voulez, mais ne faites pas de feu et ne fumez pas. Vous avez seulement le droit de chiquer. Possédaient une plantation. Les autres travaillaient chez eux. Les contrebandiers ont brûlé leur domaine. Ils voulaient savoir où ils cachaient leurs magots. Et la belle enfant? Les autres ne savent pas d'où elle vient. À mon avis, c'est une jeune fille du monde. Pourquoi? Parce qu'elle a une servante? Mes amis, les marais que vous voyez là devant vous, c'est ce qu'on appelle les Everglades. Il ne faut jamais s'y aventurer, même si ça vous tente, parce que c'est une promenade dont on ne revient pas. Oui, de la côte! Vamos, muchacho! En una hora estaremos a bordo. Qu'est-ce que vous avez? Je ne suis pas tranquille, c'est trop calme. Et ça m'inquiète. Nous sommes tous un peu nerveux. Les Indiens, il en vient toute une armée. Allez là. Bitstri, rappelez vos sentinelles. Moer, Tibet, venez par là.
Scratch. Ontigi, Onchis. S'envoie du courrier. Le message. Signé du chef Ocala. Et tous les Indiens des Everglades l'ont entendu. Écoutez-moi, vous autres. Vous devinez que nous sommes dans un beau pétrin. Rien à faire pour rejoindre notre bateau. Et le seul chemin de retour passe à travers plus de 200 km de marécage. Nous n'avons pas le choix, il faut aller de l'avant. Mieux vaut se mettre en route tout de suite. Je ne suis pas d'accord avec vous, mon capitaine. Je reconnais que c'est à vous de commander et que je ne suis ici qu'un observateur, mais dans une situation comme celle-ci, je me sens en droit de donner une opinion. Quelle est votre opinion, lieutenant? Le bateau est sur ce lac, mon capitaine. Tel que je connais mon maître d'équipage, il va tout faire afin de nous retrouver. Et je ne pense pas que le plus grand danger soit derrière nous, ainsi que vous semblez le croire. Moi, je resterai ici la nuit et je tenterai au matin de rejoindre l'embarcation. Parlez toujours, lieutenant. Ce n'est pas de l'insubordination. Je m'efforce de vous donner une opinion qui, selon moi, a du point de vue... En route. Allons-y. Vous êtes protégé par les dieux. Vous connaissez ce genre de reptile? Quand il mord, on n'en réchappe jamais. Comment une jeune fille peut-elle savoir tant de choses, mademoiselle? J'ai déjà eu affaire au serpent, lieutenant. Thank you.
pas ces hommes où vous avez vu le capitaine White en dernier lieu? Ils entraient dans les marécages à environ 200 mètres du point de débarquement, vers le sud. Vous voyez bien où c'est, à l'ouest du lac, juste en bordure des marais. Mais ils ont dû s'enfoncer assez profondément. Oui, on voit bien où tu veux dire. Mais lui, il n'a pas grand chance, lui, pouvoir sortir des marais. Ils connaissent la région? Ils connaissent bien cette région, c'est pourquoi ils disent que le capitaine White n'a qu'une chance sur mille de pouvoir sortir vivant. Enfin, je ne vois que qui puisse le retrouver, mais où peut-il bien être à cette heure? Nous pénétrâmes de plus en plus profondément dans le grand marécage. Il était évident que si nous échappions au massacre de la main des Séminoles, une mort certaine nous attendait dans cette jungle maudite. Arrêtez, on va faire la pause. J'ai eu la même idée. Ah, ils avaient besoin de souffler. Mais ces arbres conviendraient parfaitement. Il en faudrait des pirogues pour emmener tout le détachement. Pas question d'emmener tout le détachement, la moitié. C'est guère prudent de rester là. Les Indiens sont pas loin derrière nous. Un groupe partira à pied et l'autre en pirogue. Et où vont-ils, Quincy? Tu te rappelles où se trouve leur tombeau? Ce qu'on a vu quand on cherchait le commandant. Ils sont en plein milieu du territoire des Séminoles. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ceux qui vont rester pour faire les pirogues ne devront pas s'attarder longtemps. Vous et Monk, vous partirez avec votre peloton. Pitchtree et ses hommes resteront là avec moi. C'est pas possible, capitaine. On peut pas vous laisser, vous serez massacré. Moi, je reste. Toi, pars avec Shane. Écoutez, tant que je suis là, c'est moi qui donne les ordres. Il n'y a aucune raison que ça cesse. Dis, Sullivan, si je reviens pas, tu trouveras une gourde d'alcool dans mon pactage. Il y a des fois où je regrette de ne pas être mon cousin. Il est dans la cavalerie. T'en fais pas, Moer. Si tu es tué, on te reverra peut-être dans la poule, un cheval. Bon, dans ce cas, ne marche jamais derrière moi, parce que je te flanquerai une de ces romades. Vous avez une rude marche devant vous, mais vous pouvez la faire en 4 jours. Quant à nous, si tout va bien, nous vous rejoindrons d'ici peu. En haut de chaîne, bonne chance. Allez, les gars, en avant! Tâche de faire vite. Très gentil, lieutenant, de partager votre ration avec moi. C'est tout naturel. S'ils arrivent à creuser ces pirogues, nous aurons peut-être une chance de dîner plus copieusement un de ces jours. La première chose que je ferai sera de manger des champignons Colbert comme Paul sait les préparer, dans son restaurant, à Savannah. À Savannah? Mais je connais ça très bien. J'y suis resté affecté 1 an. Oh, alors vous devez connaître le restaurant Paul. Hélas, mademoiselle, les jeunes officiers de marine ne peuvent s'offrir des festins avec leur solde. Si vous revenez un jour à Savannah, lieutenant, vous dînerez là, je vous le promets.
J'ai été invité plusieurs fois à de grandes réceptions. Vous deviez y être, sans doute. Oh oui, bien sûr. Le mardi, il y avait parfois des soirées poétiques. Ah oui. Je raffolais de ces réunions dans la haute société. Quels sont vos poètes préférés, lieutenant? Ah oui, j'aime beaucoup Shelley. Moi aussi. Le dernier poème que j'ai lu de lui, c'était une ode magnifique à un oiseau. Me tuais, je serais incapable de dire quel oiseau c'était. Ah oui, n'était-ce pas l'oiseau bleu? Non, je ne le crois pas. Enfin, ça me reviendra. Quelle charmante conversation vous avez là. Tout à fait de circonstance. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai un petit travail qui me réclame. Je peux vous tenir compagnie? Nous ne sommes pas ici au restaurant Paul, mais vous pouvez vous asseoir. Oh, vous êtes allé à Savannah aussi? Non. Dites-moi, vous devriez rougir de parler comme une femme du monde. On sait d'où vous sortez. On sait d'où je sors? Ça m'étonne de vous entendre dire ça. De quelle région de Géorgie venez-vous? D'Okefeneke. Ma famille se nourrissait de glands et de pommes de pin, comme la vôtre. Comment avez-vous deviné d'où je suis? Votre démarche. Chez nous, on a l'habitude d'attacher la jambe des filles quand elles ont 16 ans pour fixer leurs premières chaussures. C'est ce qui vous est arrivé, pas vrai? Est-ce que la marque s'en est imprimée dans mes os? Vous n'avez pas appris à faire des chichis à Okefeneke. Où avez-vous vadrouillé? Oh, Charleston, la Nouvelle-Orléans, Savannah, partout où l'or coule à flot. Mais il n'y en a jamais eu dans ce coin-là. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce territoire? J'allais de la Nouvelle-Orléans à Savannah quand mon bateau a été capturé par ces hommes qui font de la contrebande d'armes. Que sont devenus les autres passagers? Peut-être que le chef des brigands ne les trouvait pas aussi intéressants que moi. Il vous a fait des avances? Vous m'avez trouvé au donjon, n'est-ce pas? Il m'y avait enfermé pour que je réfléchisse. Vraiment? Les rats devenaient de plus en plus gros chaque jour. Vous êtes arrivé à temps. Vous n'êtes pas venu me trouver uniquement pour passer le temps. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Puisque vous me questionnez, je suis curieuse de savoir si nous arriverons au bout de notre voyage. Pourquoi voulez-vous le savoir avant les autres? Parce que j'ai tant de choses à faire. J'ai fait des projets qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et tout sombrerait au fond de ces marécages. Eh bien, tout ce que je puis vous dire, afin d'apaiser votre esprit, c'est que je ne suis pas pour le suicide. J'ai été ravi de dîner avec vous, mademoiselle. J'espère que ces champignons vous ont satisfaite. Que vous est-il arrivé, lieutenant? Ah, je suis rentré dans une branche. Ces branches sont meurtrières, surtout quand on n'a pas d'avant. Appelez vos sentinelles et préparez-vous à embarquer. Oui, ce ne sera pas long. Appelez Ivan C. Smith. Embarquez les pactages. Vous aimez nager? Je ne suis pas allé assez loin du camp pour me baigner. J'ai aperçu des hommes qui se cachaient dans les arbres. Ce n'étaient pas des séminoles, vous avez encore vos cheveux. Vous avez vu des hommes vous espionner, mademoiselle? Vous auriez dû m'appeler. Vous n'étiez pas du nombre, lieutenant? Oh, mademoiselle... Tout le monde aux pirogues. Mon capitaine! Mon capitaine! Thank you.
Campons ici pour quelques heures. On s'arrête. Cassez la croûte. Merci, caporal. Et quelle croûte! J'ai mangé tellement de maïs que je me sens devenir volaille. Vous cherchez quelque chose? Je réfléchissais. Tiens, à quoi? De quel métrage aurait besoin un tailleur pour vous faire une culotte à la mode, bien ajustée, avec une paire de bottes vernies, un habit à queue de morue, un jabot et un cordonnet de soie comme cravate? Vous seriez élégant en vous promenant sur les boulevards de Savannah. Peut-être que je serai élégant sur les boulevards dont vous parlez, mais ici, j'aurai l'air d'une drôle d'andouille. Vous viendrez à Savannah? Non. C'est dommage. Parce qu'il m'était venu une idée qui aurait pu vous séduire. Mais je crois que vous aimez ce genre de vie. Eh bien, je ne me plais pas ici en particulier, mais là où je vis, c'est agréable. Qui trouvez-vous d'agréable? Vous devriez le savoir. On se réveille le matin au petit jour et on est fin prêt pour aller à la pêche ou à la chasse aux daims. Votre chemise est trempée de sueur. Vous êtes plein de teigne et piqué par les ronces. Vous avez des tas de petites bêtes sous la peau et vous mangez de l'opossum. Peut-être bien. Mais la nuit, vous dormez comme un roi. Oui. Seul et froid. Je devine que ce genre de vie ne serait pas du tout de votre goût, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonne nuit, Votre Majesté. Vous enlèvera vos crampes d'estomac. Encore du poisson. J'en ai marre de manger du poisson. J'y prends un pélican. Si par hasard tu vas à la chasse, je te demanderai de tirer tes coups de feu assez loin d'ici. Il vaudrait encore mieux tirer d'où on est, que tout soit fini une bonne fois. À quoi bon se faire des illusions? Dites donc, je n'aime pas vous entendre parler comme ça. Écoutez-moi, vous tous. Le sergent Chen et son groupe nous attendent au tombeau des Indiens. Savez-vous à combien nous sommes de ces tombeaux? À peine à quelques heures. Là, nous serons en lieu sûr et nous enverrons un coureur au quartier général. Et nous en sortirons vivants. Allez, mangez, qu'on puisse se mettre en route. Vous entendez ce que dit le capitaine? Il faut manger de ce bon poisson. Vous rêvez de Savannah? Comment le savez-vous? C'est ce qui compte le plus pour vous.
Oui, c'est ce qui compte le plus. Il n'y a rien d'autre d'important à vos yeux. Oh, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Vous préférez les gens de la haute de Savannah, n'est-ce pas? Non, au contraire, je les déteste. Ah, c'est donc ça qui vous chagrine. Vous voudriez vous venger de toute la ville? Non, pas de toute la ville, mais d'un seul homme. Celui qui vous a lié les chevilles? J'avais lié mes chevilles moi-même. Et c'est lui qui m'avait mis des chaussures. Des chaussures de luxe? Au début, ça pouvait aller. Mais ça a fini assez mal. Et vous n'avez pas protesté? J'étais trop jeune pour protester à cette époque. Mon père a essayé. C'était un va-nu-pied. Les riches savaient comment mater les va-nu-pieds. Un matin, je l'ai trouvé mort au bord de la route. Écrasé soi-disant par une charrette. Je n'ai jamais vu qu'une charrette laisse des traces de coups de fouet sur les épaules d'un homme. Vous avez trouvé une solution? J'en ai une. J'y ai songé durant des années, maintenant je suis prête. Ils verront bien quand je reviendrai que savoir manier le fouet n'appartient pas seulement aux gens du grand monde. Dites-moi, hier, lorsque vous me parliez, et que vous preniez mes mesures pour me voir en dandy, vous pensiez que je pourrais vous aider à manier ce fouet? Peut-être. Je vous attends à la pirogue. Chaque jour, nous avancions un peu plus à la rencontre du sergent Chêne et de ses hommes. Puis un après-midi, alors que nous prenions une courbe, subitement tout devint silencieux. Pas même un cri d'oiseau. Nous respirions avec peine. La mort semblait peser de tout son poids dans l'air. Nous comprîmes alors que nous approchions de la clairière où s'élevaient les tombeaux légendaires des Séminoles. Y être. Ouais. Ouais. Moi, je trouve pas ça marrant. Nous restons là. C'est très curieux la façon dont sont enterrés les guerriers séminoles. On les peint avec une peinture de guerre, on place à leur côté un bol de nourriture fraîche, on met dans leurs mains leur arme préférée, puis on les recouvre de terre. Avec un grand chef comme celui qui est là, ils enterrent le premier enfant né immédiatement après sa mort. Et vous savez d'où vient cette coutume? Ils pensent que lorsqu'un homme meurt, son esprit quitte son corps et se réfugie dans le corps du premier nouveau-né. Étant donné l'estime qu'ils ont pour leur chef, ils ne veulent pas que son esprit puisse se réincarner chez un autre qui en serait indigne. Mon capitaine.
Ce n'est pas que les hommes soient inquiets, mon capitaine. Mais ils pensent qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on ne reste pas dans ce coin-là. Ils savent ce qu'on fait ici. Nous attendons Shane. Oui, bien sûr, mais... Ils disent que puisque Shane devait arriver bien avant nous... Enfin, peut-être qu'il viendra plus. Nous attendrons. Dites-leur ça de ma part. C'est comme les autres que nous devrions partir d'ici. Est-ce une question ou une affirmation? Les deux. Vous devez tenir beaucoup à ce sergent et à ce vieux trappeur, n'est-ce pas? Je tiens aussi à tous les hommes qui sont ici. Ça ne simplifie rien. Vous, de votre côté, vous tenez avant tout à retourner à Savannah. Que voulez-vous que je vous dise? Que je ne tiens plus à retourner à Savannah? Et quant à s'en aller de ce cimetière... Vous n'avez pas besoin de mon avis. Je sais que nous resterons. Mon capitaine, on vient. En position de combat. Allez. Où est Shane? Allons, parle. Moi, j'étais à la tête du détachement. Tout ce que je peux te dire, c'est que ces diables de Séminoles nous ont séparés. Ils m'ont laissé passer, puis ils ont ouvert le feu sur les autres. On n'avait jamais rien vu de pareil. Que sont devenus les autres? Shane? J'en sais rien. C'était comme à l'abattoir. Les Séminoles, ils viennent de ce côté-là. Ne restons pas ici, il faut se mettre à couvert. Tu peux marcher, mon? Oui, je crois que ça ira. Abandonnons les pirogues, ils vont venir nous chercher par ici. Allons, faites vite! Thank you.
celle qui rapproche. Les femmes. Vous, venez avec moi. Où sont nos hommes? Tu vas me dire où sont nos hommes? Je ferai parler, mon capitaine. Ça ne donnera rien. Je sais comment traiter cette vermine. Vas-y, moi. Attachez-le. Tiens, voilà, Quincy, une beauté. Fais attention. Attention. Simonata. Siwanata Chenitsa. Tone kapana ptenek soyatona tetohan. Kana hwata tpop tsiotsino. Il y a un camp de guerre près d'ici. Ils ont conduit nos hommes. Ils sont peut-être vivants. Et s'il y a toute une armée de criminels? Ils sont à notre recherche. Ils nirent les sentinelles. Est-ce que vous le croyez? On le saura bientôt. Pitchtree, prenez deux hommes. Restez avec les femmes. Vous, venez avec moi. Que se passe-t-il, Moer? On les a trouvés, mais il est trop tard. Le prochain séminole que je vois, je ne le tuerai pas, je vous assure le... Cachez-vous. Thank you.
Repliez-vous. Emmenez les femmes. Repliez-vous. Allons, plus vite. Je vais les retarder. Mon capitaine, il faut vous en aller. Je me charge de les retarder. Tibet. Venez, diable rouge, venez par ici. Tibet. Stop par ici. Venez nous chercher. Venez donc si vous n'avez pas peur. Mais venez donc. Non, aucune, mon général. Abandonnons les recherches. Rayez White et ses hommes des contrôles. Pourriez-vous retrouver son île et ramener son petit garçon? Non, mon général, il y a un rempart d'Indiens entre le quartier général et cette île. La tribu entière des Séminoles a envahi les marais. C'est impossible. Arrêtons cette invasion et essayons de sauver l'enfant. Nous devons bien ça à White. Colonel, envoyez une avant-garde. Nous ferons marcher la brigade derrière vos hommes. Allons, allons, il ne faut pas s'endormir, nous ne sommes pas très loin de l'île. C'est l'île du capitaine.
arriver ici. Qu'est-ce que vous attendez? Allons, en avant. Le chemin est tout tracé. Arrêtez! Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On a assez reculé devant ces macaques. C'est le moment ou jamais d'en descendre le plus possible. Allez, creusez vos trous et attendons-les. Creusez des trous individuels. Découragés. Voilà la nuit. Ils n'aiment guère se battre à la nuit. À l'aube, ils reviendront plus forts et plus nombreux. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le clair de lune. Passe le mot. Prenez garde à leur ruse. C'est à croire que ce sabre était destiné à tomber en des mains étrangères. Nos projets, même les plus généreux, prennent souvent la mauvaise route. Je l'avais destiné au fils du capitaine White. Son fils? Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Oui. C'était un beau petit garçon de 6 ans. Des cheveux noirs, des yeux bruns et perçants. Le capitaine était marié à une jeune princesse, belle comme une peinture. Tous deux sont morts maintenant.
Peut-être n'est-il pas mort. Peut-être s'est-il sauvé. C'est ce que je me disais moi-même à propos de sa mère. Jusqu'à ce que je la retrouve morte. C'est pour ça que vous combattez. Et que vous haïssez les Séminoles. Ce ne sont pas les Séminoles qui l'ont tué. Mais les soldats. Des soldats? Des soldats l'ont tué? Mais alors comment pouvez-vous... Vous vous demandez ce qui s'est passé. Pourquoi je garde l'uniforme, n'est-ce pas? Vous vous demandez comment je peux vivre sans chercher à me venger. Eh bien, ils étaient jeunes. Ils étaient ivres. Ils venaient d'arriver dans la contrée. Pour eux, tous les Indiens se ressemblaient. Oui, j'aurais pu les abattre. J'aurais pu tuer tous les hommes en uniforme, mais... Si l'on est fait d'une certaine nature, il y a quelque chose en vous qui vous retient. Est-ce qu'on peut vivre en ne songeant qu'à se venger? En gardant toujours au fond de soi la même rancœur. Tenez-vous sur vos gardes. Le jour va bientôt se lever, ils vont nous tomber dessus. J'espère qu'on va en abattre au moins une centaine. Peut-être n'y aura-t-il pas de victimes de part et d'autre, excepté une. Retourne auprès des femmes. Dans le cas où ça tourne mal, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et j'espère que tu n'auras pas la tremblotte. Tu ne feras pas ça. Je te le défends, Quincy. Tu n'es pas en état. Fais ce que je t'ai dit. Vas-y. Oh!
Moncala, tu m'entends? Roncala, es-tu une femme que tu envoies tes braves se faire tuer? Crains-tu tellement White que tu t'entoures de ta tribu tout entière pour me faire face? Mais pourquoi Roncala, est-ce qu'il le provoque? Bah, s'il arrive à tuer Roncala, peut-être que les autres Séminoles prendront la fuite. Allez, sors de ta cachette et viens me retrouver si tu es un guerrier, au milieu de l'eau, avec ton arme préférée, le couteau! C'est vrai, c'en est un. Papa, papa, tu es revenu. Oh, papa, comme je suis contente de te revoir, si tu savais. Quincy. Je voulais être sûr que c'était bien vous. Je vous ai tenu pour mort plus de 100 fois. Je n'espérais plus revoir mon petit bonhomme. Nous l'avons trouvé à une quinzaine de kilomètres d'ici, caché dans la jungle. Cela nous a démontré qu'il est presque impossible de tuer quelqu'un de votre race. Ils ont pourtant fait de leur mieux. Après cette action d'éclat, je crois que même un général sera en sûreté là-dedans. Si je n'en suis pas sorti dans un mois, venez-moi pêcher. Je suis heureux de lui offrir, s'il le veut encore.
Tiens. C'est joli, merci, monsieur. C'est pour toi. Vous pouvez ramener ce souvenir à votre petit garçon. De ma part. Je vous remercie. Je lui raconterai son histoire. Alors, tout s'arrange comme vous le désiriez. Vous partez pour Savannah. J'ai changé d'avis. Je n'y retourne plus. Peut-on ne songer qu'à la vengeance?